gros problématiques du rock alternatif français, Berruriennois reste un nom qui résonne pour de nombreuses personnes. Vieux que peau sur le retour, squatteurs n'ayant pas renoncé à leurs idéaux libertaires, militants d'extrême gauche et skinheads d'extrême droite, gauchos des villes de province et droitards de tout pays, tout le monde a un avis sur Berruriennois. Combo clivant par excellence, il reste dans l'imaginaire collectif l'image d'Épinal du groupe de punk contestataire et militant qui a écrit des textes ressemblant plus à des slogans de manifestants qu'à des alexandrins de grands poètes. Raya de jeunes chiens fous qui auraient été jusqu'au bout de leur démarche, radicaux qui se sont fait seppuku plutôt que de se déshonorer en faisant semblant de s'amuser, les Berrues nous laissent au final quelques albums et une poignée de titres qui sont, hélas, encore très actuels. Porcherie, Salut à toi, Hélène et le sang, Vivre libre ou mourir. Dès le premier album, ils se sont imposés comme une voix différente sur l'échiquier de la scène punk française, très vite adoubée par un public réceptif, et ceux du Québec jusqu'à Montreuil, en passant par Brest et Saint-Afrique. Car oui, bien que viscéralement parisiens, les Berrues ont fédéré un public bien au-delà de nos frontières, réussissant un tour de force assez remarquable, surtout pour un groupe aussi particulier dans son son et son approche. Alors, à l'heure où de plus en plus d'hurluberlus essayent de surfer sur l'image du punk sans avoir la moindre idée de ce qu'il raconte, nous allons revenir à une époque où l'envie de ne pas marcher dans le rang était fondamentale, où les prises de position politiques se payaient comptant et souvent très cher dans les rues de France et de Navarre, et où, en cette période de crise économique, les espoirs d'une jeunesse désenchantée se fracassaient cruellement sur les récifs saillants d'une réalité toujours plus grise, montrant une France morose qui commençait à sacrément tirer la gueule. Que reste-t-il de nos Berrues ? Ce n'est pas une histoire qui s'explique, elle se raconte. Nous sommes le 10 mai 1981. François Mitterrand est élu président de la République après le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Celui que l'on surnomme déjà Tonton loue ce soir dans un discours fédérateur les forces de la jeunesse qui ont cru en lui, ainsi que les travailleurs qui besognent chaque jour pour tenir la France debout. Dans les petites villes de province, l'espoir est proportionnel au lourd tribut que ces modestes agglomérations payent aux crises successives. Dans mon fief, mes aïeux sont persuadés que MeToo va nous sauver et faire quelque chose pour notre petite ville. Effectivement, il y aura un projet de découverte à ciel ouvert pour sauver les mines, mais les lendemains de cuite seront difficiles et la désillusion amère quand à la fin du bal il s'agira de payer les musiciens. En suivant les directives européennes, le gouvernement démantèle les usines en les fermant les unes après les autres, transformant ainsi de manière drastique les vies et habitudes du monde ouvrier. Adolescents à cette époque, François et Laurent sont témoins de cette difficile mutation, la grogne sociale devenant l'incubateur du futur punk français. Mais pour comprendre comment il s'est développé, il faut remonter un peu plus loin. À la fin des années 60, l'influence de divers courants révolutionnaires infuse partout en Europe. Le modèle orthodoxe de la révolution prolétaire russe ayant pris un sacré cachou dans les gencives, les jeunes ne sont pas forcément plus tentés par les États-Unis, qui ne montrent pas forcément un visage plus enthousiasmant ou plus sympathique. Avec les années 70, arrivent de tout nouveaux discours sur la psychiatrie, le féminisme, l'homosexualité ou le monde du travail. La société est alors segmentée et profondément divisée, les jeunes et les vieux se regardant en chiens de faïence, avec un mépris et une condescendance réciproque. C'est donc dès le septennat giscardien qu'une première vague de groupes français se font l'écho de tout ce qu'il y a de meilleur dans l'underground new-yorkais. Fatigués des sourires de faux derche des babacools et de la variétoche ambiante, plusieurs groupes posent les bases de ce qu'il faut appeler la première vague des groupes de punk français. Tout doit se faire dans l'urgence, même avec peu de moyens et de compétences musicales. Surtout avec peu de moyens et de compétences musicales. Nous ne sommes qu'en 1976 quand Asphalt Jungle, Marie et les Garçons, Metal Urbain, Star Shooters et quelques autres groupes proposent une alternative propulsée par des fanzines comme Bazooka ou Abus Dangereux. Parmi ces artistes, plusieurs tireront leur épingle du jeu, comme Patrick Deligne par exemple, qui grâce à son travail de rock critique portera un coup de projecteur sur toute cette scène d'alors. Un peu dandy, un peu arty, ces groupes sont aidés par des labels indépendants comme Chaos Productions, Bondage Records, Gougnaf Mouvement ou Boucherie Productions qui leur permettent de sortir des scuds. La perfide Albion étant quasiment une voisine de palier, il ne faut bien sûr pas minimiser l'influence du punk britannique qui marque considérablement les artistes français. Quelques petits chanceux qui ont des sous-sous dans les popoches font régulièrement le déplacement à Londres pour s'imprégner de l'ambiance et ramener quelques imports des pionniers du punk américain, New York Dolls, The Stooges, Television, MC5 ou Ramones. Ces derniers y ont déjà écrit ce qui reste encore aujourd'hui comme des classiques de la musique punk. Sex Pistols, The Clash, The Buzzcocks et tant d'autres leur emprunteront le pas en décrochant le gros lot, leur impact planétaire étant tout autant favorisé par les inoubliables London Calling ou Fast Cars que par une attitude provocatrice, tout bonnement jubilatoire. C'est aussi à ce moment qu'émerge un groupe fondamental mais un peu moins connu du grand public, Crass,
un regroupement d'artistes libertaires engagés, prônant le do-it-yourself et l'entraide communautaire. Subversifs dans les paroles de leurs chansons et mettant en pratique ce qu'ils prônaient dans leurs textes, ils seront une influence déterminante sur les Bérus et particulièrement sur Laurent. Je n'ai pas le temps de développer le sujet ici, mais j'ai fait une vidéo sur Crass et je vous conseille l'extraordinaire livre des éditions Ritrut, L'histoire de Crass, qui est une véritable mine d'or incroyablement documentée sur cette facette du punk anglais un peu moins paillette. D'ailleurs, voici les livres qui m'ont servi de support pour cette vidéo. L'épopée du rock noir de Daniel Lodo sur les scènes en Midi-Pyrénées et Carmouzin, A bien marré hier soir, et Berrurier noir, sorti récemment sur la super maison d'édition Rive-Neuve, dont je vous ai parlé il y a quelques temps avec le livre Un feu dans le ciel nordique. Thatcher faisant régner l'ordre à coups de gifle, arrive sur le pavé des Rosbif des nouveaux groupes avec des sonorités plus dures, plus proches du métal et qui donneront naissance aux premiers disques de hardcore en Angleterre et aux États-Unis. The Exploited, Discharge, The Cockney Reject, mais aussi The Germ, Agnostic Front, Black Flag et Bad Brains sont parmi les premiers à jouer cette musique nouvelle, nerveuse et violente. Jeunes banlieusards racailleux des cités, ces groupes mêlent souvent leurs idées politiques à la soupe de phalange. Le mouvement Skinhead, au départ antiraciste et qui voyait de jeunes noirs et de jeunes blancs partager leur amour pour le reggae, mute pour devenir le relais de l'extrême droite anglaise, et toute cette joyeuse tambouille pour le moins piquante, si elle effraye quelque peu Monsieur Tout-le-Monde, comme lors du légendaire concert de Mont-de-Marsan, tout premier festival punk européen en 1976, avant même celui de Londres, cela fait des émeutes partout sur l'Hexagone. Ce sera le cas avec Laurent Kratakazov, fils d'une famille de réfugiés politiques grecs. Né en Célestat, en Alsace, avant de migrer vers la région parisienne, son enfance est marquée par une éducation dans une école aux pédagogies alternatives, ce dernier affirmant avoir davantage appris en apprenant à apprendre qu'en accumulant des connaissances. Jeune mélomane extraverti, il assiste au premier concert de Patti Smith à Paris, qui le marque tellement qu'il décide de se mettre à la musique, la découverte à la radio du titre God Save the Queen le dirigeant naturellement vers la guitare. Il est aussi marqué par l'attitude outrancière et les premiers commandements des tableaux de la loi du punk rock. Le rock'n'roll est né dans un champ de coton. Les rockstars sont des drama queens aux exigences farfelues. Et si on veut avoir un discours tant soit peu cohérent, il faut fuir les grosses maisons de disques pour aller chercher bonheur du côté des labels indépendants. Du coup, dès 14 ans, avec 3 accords en poche, une énergie débordante et des idées plein la tête, Laurent monte ses premiers groupes, le plus notable étant Guernica, qu'il rejoint en tant que guitariste. Il y officiera pendant un temps, avant de commencer à faire quelques piges chez les Bérus, en tant que guitariste additionnel. De son côté, François Guillemont est né à Paris en 1964. Son père, Claude Guillemont, est un artiste peintre paléontologue, et son grand-père, Adrien Borel, un psychiatre reconnu. Nous verrons un peu plus tard que la psychiatrie et la maladie mentale prendront une place assez singulière dans les chansons des Bérus. Le jeune François découvre dès le lycée les enjeux des luttes politisées. Alors qu'il est au collège, les anciens partisans de la Ligue communiste et les jeunes de l'Ordre Nouveau se foutent joyeusement sur la gueule à la sortie des cours. Quart de CRS, lacrymogène, balayette, le jeune François commet son premier acte d'hooliganisme politique en faisant péter une énorme boule de pétard le tigre dans l'enceinte du collège. Il est cependant passionné de littérature, et alors qu'on lui fait découvrir le cas de Dino Buzzati, le mur de Sartre ou l'étranger de Camus, il absorbe tel une éponge de nombreux éléments culturels qui le construisent et le nourrissent. Dès le lycée, la médiathèque lui permet de découvrir Bertrand Tavernier, Fellini ou Costa Gavras, qui dénonçait tout autant le totalitarisme de gauche ou de droite. La conscience politique du jeune François s'éveille, tandis que, comme son futur camarade Laurent, il se prend le punk rock en pleine face dès 1977. À cette époque, la petite amie de François arrive en cours en tenue de prisonnière des camps de la mort. Les svastikas badigeonnent les portraits de Karl Marx, les slogans les plus nihilistes sont peints au feutre sur des t-shirts usés jusqu'à la corde, qu'on n'oserait même pas mettre pour sortir les poubelles. Héritier d'une culture rock'n'roll bien balisée, les rockers et les bananeux de l'époque se font un malin plaisir de courser ces jeunes punks faméliques, épais comme des clavettes, pour les massacrer dès que l'occasion se présente. Tous les témoins de cette époque attestent que l'ambiance est délétère et explosive, et que la provocation ne fait pas dans le politiquement correct. Les croix gammées sont alors monnaie courante dans les arts cinématographiques et dans le punk, l'impact du look de Sid Vicious ayant eu un certain succès parmi les fans. Inclusivité, bienveillance et partage n'auraient pas fait beaucoup recette à cette époque. Gigantesque schneck à ciel ouvert, Châtelet-Léal est dans les années 80 une véritable cour des miracles. Entre les skins, les punks, les rockers et les nouvelles bandes de jeunes issus de l'immigration, le sang sèche régulièrement sur le bitume et les affrontements entre bandes particulièrement violentes. On parle ici de se taper dessus à gros coups de batte de baseball, de chaînes, de crans d'arrêt, de hachoirs de boucher,
quand on ne se balançait pas de l'acide en travers de la gueule. Dans ce contexte super sympa, en 1978, Olaf et Steph forment Berrurier, un groupe de rock assez conventionnel dans sa forme, et qui répète une fois de temps en temps. Les deux acolytes ont choisi Berrurier par rapport au commissaire des romans de San Antonio de Frédéric Dard, Berrurier étant l'archétype du beau favinet un peu lourd sur les bords, voire carrément au milieu. On le nomme d'ailleurs de différentes façons, l'abominable homme des bistrots, l'ogre de Barbarie, son Altesse connardissime Berrurier Ier, Hercule et le Poirot, les surnoms ne lui manquent pas. Berrurier s'en rejoint en 1979 par François, qui aura la bonne idée d'aller acheter à Pigalle une petite boîte à rythme pour accompagner les riffs des guitaristes, une Electro Harmonix DR-M16 qu'ils baptiseront Dédé. Si Berrurier ne sont pas les premiers punks à utiliser une boîte à rythme, les Américains de Suicide sont passés par là, ce qui n'était au départ qu'une démarche facilitante pratico-pratique, deviendra plus tard un élément fondamental de l'originalité du son du groupe et une des raisons de sa porosité avec l'univers électro. Les premières chansons prennent forme, elles s'appellent Chromosome Y, Lobotomie, Fils 2, J'ai peur, Les éléphants, Elsa je t'aime, ou Il tue à son petit frère. À cette époque, le circuit des salles de concert est assez balisé, mais les Berrus s'en balancent et passent par le réseau des squats, ce qui leur permet de se frotter directement à un public pour le moins agité. Le jeune groupe joue relativement peu, mais les concerts fonctionnent bien et les réactions de public sont tout sauf tièdes. Car les squats sont des endroits où l'anarchie est reine et où les belles rencontres se succèdent plus sordides. Impossible d'ouvrir ses portes aux tout-venants, au risque de voir débarquer des hordes de junkies, zonards, alcoolos, bikers. Bagarres, viols et agressions émaillent l'histoire de ces lieux, parfois même au sein des mêmes mouvements libertaires. Pas question de dormir sans un schlass ou une barre de fer sous l'oreiller. Laurent, pigiste au départ, tient de plus en plus la guitare tandis qu'Olaf prend ses distances avec le groupe, n'appréciant pas le succès, tout relatif, des Berrus à cette époque. Pierrot, l'autre guitariste, est interné à un hôpital psychiatrique, tant et si bien qu'il finit par ne rester que François et Laurent. Le chanteur a très envie que le dernier concert se passe à Palikao, une ancienne usine transformée en lieu d'expression artistique alternative située à côté de Belleville dans le 20e arrondissement. Initialement, les tauliers ne sont pas chauds pour qu'un groupe de rock vienne jouer chez eux. Il leur faut plus qu'un simple concert de musique conventionnelle. Alors, pour les convaincre, François leur promet une représentation spéciale. Ils débarquent avec une malle remplie de masques, d'ustensiles divers et variés, une sirène et l'envie de clore le chapitre des Berrurier d'une belle façon. Le 19 février 1983, Laurent et François poursuivent donc jouer pour la dernière fois avec les Berrurier, qu'ils baptisent pour l'occasion Berrurier Noir, histoire de bien souligner le caractère funeste et crépusculaire de la démarche. Mais contre toute attente, quelque chose se passe. Le concert est un succès, le public est chaud bouillant et encourage les deux endeuillés à ne pas en rester là. En effet, entre François et Laurent, c'est quasiment un coup de foudre amoureux. Les deux hommes se sont trouvés en amitié comme certains ont la chance de se trouver en amour. Ils traînent très souvent ensemble, s'inspirent mutuellement et discutent de beaucoup de sujets, que ce soit de politique, de démarches artistiques et de projets scéniques. Totalement différents, les deux hommes représentent une sorte de yin et de yang. Laurent est extraverti, grande gueule, souriant et impulsif. François plus intériorisé, réfléchi et ténébreux. Mais ils sont néanmoins d'accord sur l'essentiel. Leur petit théâtre de force ira et devra jouer partout. Dans les squats, les manifestations, les hôpitaux psychiatriques, les centres pour handicapés, les maisons de retraite. Mais pour faire tout cela, il faut quand même garder l'esprit clair. Bien conscient que l'alcool et la drogue ne pouvaient au final que lui offrir un séjour longue durée à Sainte-Anne, François met un coup de butoir brutal à la picole et s'investit intensément dans la pratique du karaté Shotokan, sa fascination pour l'Asie l'amenant vers les arts martiaux, mais aussi vers toute une culture et divers artistes japonais. Il fréquente alors Beaubourg et ingurgite toujours plus de littérature politique et d'ouvrages sur l'Asie, le Vietnam, prenant petit à petit de plus en plus de place dans son cœur. Après que le premier concert soit sorti sous forme de cassette sur le label Visa, le duo, accompagné du beau Dédé, multiplie les concerts et rencontre de plus en plus de succès. Les Berrurier dans la rue, dans le métro, dans les squats, les universités, les bars. Grâce aux fanzines et aux bouches à oreille, la réputation des Berrurier grandit rapidement et le premier LP, Macadam Massacre, leur permet de faire une entrée fracassante dans le monde du rock alternatif. Ce premier album est pour la plupart des amateurs du groupe le meilleur, le plus radical, le plus sombre et le plus désespéré. Rétrospectivement, François et Laurent reconnaissent qu'ils étaient au bord du précipice à cette époque, sur le fil du rasoir. Agonisant en plein nihilisme punk, le propos est violent, désespéré et mortifère. La société est laide et apparaît comme un véritable catalyseur de souffrance et de haine.
Si le propos sonne si juste, si l'indiscutable côté bancal et amateur du disque vous saute aux oreilles dès les premières secondes, c'est parce qu'il est le témoignage de l'authenticité d'un duo de bras cassés qui n'a que son honnêteté et son vécu à vous offrir. Et ça fait froid dans le dos. Mais dans les squats un jour d'enterrement, Berrurier Noir ne sont pas encore dans cette démarche humaniste qui les habitera pendant tout le reste de leur carrière. La folie, la guerre, la violence physique et les agressions sexuelles, tant la noirceur semble avoir pénétré toutes les couches de la société. L'État est déclaré ennemi public numéro 1, père de tous les noms, abrutisseur en chef, et ses sbires, tous des traîtres au peuple français. À partir de là, les Berrus se demandent si la société ne mérite pas les monstres qu'elle engendre. Peu importe si la nuance, se faire raboter à grands coups de hachoir. Ce premier album paraît sur ce qui deviendra Bondage Records. Indépendant, ce label appliquait les mêmes recettes que celles de Crass en Angleterre. En 1985 sort Concerto pour Détraquer, un album de la droite lignée du précédent, même s'il est beaucoup plus carré dans la forme, et beaucoup plus contestataire et moins désespéré dans le fond. On retrouve dans Conte cruel de la jeunesse, et Il tua son petit frère, les mêmes descriptions des faits divers glauques des banlieues. Des titres séditieux comme les classiques Vivre libre ou mourir, Les rebelles, Petit agité ou Porcherie, ou encore Le renard. Le renard est un morceau intéressant car il exprime à la fois toute la violence, l'ambiguïté et la radicalité de ces graines de crapule. Cette histoire de voleur qui détrousse les bourgeois pour les sodomiser ensuite avec son pied de biche n'est pas un texte humoristique comme certains l'ont cru au prime abord, mais bel et bien une histoire vraie qui s'est déroulée en Angleterre. The Fox, comme il fut surnommé par la population terrifiée, finira par se faire rattraper par Scotland Yard après des mois de recherche. On trouve dans le texte la célèbre phrase « Tarage n'est pas perdu » qui deviendra un des leitmotivs du groupe, une tentative violente et désespérée d'un bandit de se tresser contre l'ordre établi, même si dans la réalité les actions de The Fox n'avaient aucune connotation politique visant à punir les bourgeois, le criminel n'ayant jamais agi que par pur opportunisme vénal et n'ayant jamais exprimé le moindre regret quant à ses victimes collatérales. Musicalement, c'est autrement plus dynamique. Les riffs de cet album sont beaucoup plus incisifs que sur le précédent. Loin d'être aussi mauvais que ce qui peut se raconter à droite et à gauche, Laurent est celui sur lequel tout repose. Avec une énergie qui force le respect, il joue ses palmutings tout en downpicking sans jamais faillir. On est ici dans l'héritage de Johnny Ramones, tout doit passer en force. On est d'ailleurs parfois pas très loin des sonorités métal, tant les tensions harmoniques rappellent parfois notre beau vieux Triton des familles. Toujours la même année, comme le dit le duo avec le P Joyeux Merdier, les Berruriers Noirs passent du noir et blanc à la couleur avec des thématiques plus festives. J'aime pas la soupe, vive le feu, et évidemment, l'hymne Salut à toi. Le Gorille International, où François salue avec plus ou moins d'humour, pas loin de 47 nationalités, tout y en ajoutant Laurel et Hardy, les Endimanchés et le brave Ventoplan. Berruriers Noirs jouent alors partout en France, mais uniquement le week-end. Laurent faisant partie à cette époque d'une troupe de théâtre pour les enfants, tandis que François est agent d'exploitation en BHV. Avec Masto, compagnon de la première heure et patron du label Bondage Records, le groupe est désormais accompagné de Saraya sur scène, des proches du groupe qui transforment les prestations en joyeux foutoir. Pascal Kung Fu au saxophone, Elnon et son frère Riti au cœur, LOL au cœur et au dessin, et enfin Petit Titi et Grand Titi pour les chœurs scéniques. Les spectacles attirent de plus en plus de monde, le groupe ne craignant pas, comme il le souhaitait au départ, de jouer dans des endroits atypiques. En soutien à plusieurs grèves, les concerts dégénèrent parfois, comme lors du show à l'Élysée Montmartre, où une fois le concert fini, les spectateurs échauffés partent rejoindre les manifestants de la Sorbonne en essayant d'éviter les voltigeurs, redoutables unités mobiles particulièrement violentes et rarement inquiétées de leur acte. En hommage au réalisateur japonais Tsuji Terayama, les Berrus sortent le maxi L'Empereur Tomato Ketchup, un titre festif et fédérateur qui prendra une ampleur considérable au moment où Energy le diffusera sur ses ondes. Pas super fan de voir leur groupe préféré atterrir sur une telle radio de merde, certains aficionados n'apprécient pas cette récupération, les Berrus apparaissant désormais très très différents du visage qu'ils montraient sur Macadam Massacre et sur le décorum très orange mécanique de Concerto pour Détraquer. Pourtant, le discours reste toujours dirigé vers ceux qui tiennent les rênes et les médias mainstream, qui, toujours prêt à sauter sur n'importe quelle merde, découvre médusé cette joyeuse bande de drilles qui ne se plie pas au jeu des interviews et de la promo. Certains essayent bien de capter ce qui fait l'essence de leur état d'esprit, mais c'est peine perdue tant ils finissent par se vautrer dans les lieux communs en ne choisissant de prendre que ce qui les arrange, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Alors que ce qui fait l'essence des mouvements alternatifs, ce sont justement les paradoxes, les ambivalences. Comme quand le rock alternatif devient à la mode et débarque sur les plateaux de télé comme une poule qui aurait trouvé un couteau, sans trop savoir quoi faire du micro qu'on leur tend. Du coup, sans qu'ils ne cherchent vraiment à l'attirer, un nouveau public arrive dans les concerts des Berrus. Que ce soit à Montreuil ou à Fumel, c'est toujours mille bus qui se pointent au concert, ce qui n'est pas pour plaire aux renseignements généraux qui voient d'un mauvais œil la résonance qu'ont les discours de ces anarchistes en culottes courtes.
En plus de la pression médiatique, du succès assez soudain et d'une impression qu'on se fout quand même un petit peu de leur gueule, faible cachet alors que les concerts font ça le comble, conditions de tournée catastrophiques et catering désastreux, les Bérus décident de se mettre en grève et d'annuler purement et simplement plusieurs concerts de leur tournée afin de respirer un peu. Si la motivation et l'unité sont un peu en berne, c'est aussi parce que l'ambiance au sein du groupe n'est plus tout à fait la même et que des dissensions commencent à apparaître. Tous les Bérus ne sont pas d'accord sur l'avenir du groupe quand sort l'album Abracadaboom. Entre Nuit Apache et Hop, Descendant de la rue, SOS et bien sûr L'Empereur Tomato Ketchup, ce disque est le seul où toute la troupe des Bérus apparaîtra, captant cette année 1987 tous les espoirs et les dégoûts de la jeunesse de France, mais aussi à l'étranger. La grande Titi et LOL quittent le groupe peu après la sortie de l'album, tandis que les relations avec le label Bondage Records se détériorent à la vitesse grand B. Quand Bondage ouvre un magasin de raretés alors que le groupe aurait préféré un lieu de rencontre, les Bérus refusent de laisser le logo du label s'afficher sur le disque, leur préférant celui du folklore de la zone mondiale. Toujours aussi populaire au niveau du public, un concert plein à craquer au Zénith de Paris permet aux Bérus de présenter plusieurs nouveaux membres et d'exploser la jauge du public de plus de 200 personnes. Les abords de la salle sont une véritable fourmilière de militants de tout horizon, le groupe voulant proposer à son public plus que la musique et des slogans politiques. Mais cela leur coûtera cher. Le 17 avril 1988, une bombe artisanale explose devant la porte de la chambre régionale des huissiers. L'attentat est revendiqué par le groupe Black War, protestant contre les expulsions et les saisies. Deux personnes sont grièvement blessées dans l'explosion. La police lance son enquête et perquisitionne chez plusieurs militants fichés et connus des RG. Le jeudi 21 avril, un grand coup de filet embarque de nombreuses personnes, dont plusieurs membres du service de sécurité des Bérus. Les conclusions sont donc sans appel, Bérurier Noir couvre des terroristes. Même si les résultats de l'enquête attesteront qu'aucun des membres de la sécurité des Bérus n'avait pris part à l'attentat, le mal est fait. D'autant plus que par-dessus le marché, la même année, le groupe refuse le prix du bus d'acier 88, décerné par les rock critiques français, ce qui les amènera à se mettre à dos une bonne partie de la presse rock française. C'est donc avec un genou à terre que le groupe voit les RG s'acharner sur lui. Ouverture du courrier, appel au travail des membres de la troupe, simulation de cambriolage, appel pendant la nuit, les Bérus comprennent qu'ils n'auront pas la loi et que face à eux, il n'y a pas d'étendre. Mais le groupe continue ses lives, sort son EP au titre ô combien en lien avec leur vécu d'alors, ils veulent nous tuer. À la fin de l'année 88, BN commence à s'intéresser davantage à ce qu'il se passe dans les comptes du label Bondage. Sans surprise, cette petite enquête débouche sur un conflit sans précédent où Masto est sommé de choisir son camp. Ayant toujours basé leur collaboration sur un contrat de confiance, les Bérus découvrent qu'ils se font enfler depuis des années. Avocats, procès et négociations, c'est dans une ambiance pourrie et très, très éloignée des idéaux punk que sort le dernier album du groupe, souvent fauché, toujours marteau. Un dernier album testamentaire, malade des tensions du groupe. Conscient d'être au bout de la route, les Bérus jettent l'éponge alors que le grand public leur ouvre les bras, sortant par la grande porte avec trois grands soirs à l'Olympia, immortalisés sur Viva Bertaga, titre emprunté à San Antonio, histoire de boucler la boucle d'une belle manière. La troupe explosera en partant dans diverses directions. Laurent retournera dans l'underground avec son nouveau projet et diverses troupes de théâtre, tandis que François ira à l'exact opposé avec Molodoy et une signature chez Sony. Il creusera sa passion pour l'Asie en retournant à l'université, finissant chercheur au CNRS, spécialisé dans l'histoire et la culture du Vietnam. Il faudra attendre 2003 pour des retrouvailles, le groupe découvrant qu'il n'était pas encore prêt pour le formol, tant les réponses du public étaient positives, si positives que même de l'autre côté de l'Atlantique, on voulait revoir les bûcherons. Très au fait de ce qui s'était passé à Dour et à Nantes, le Festival d'été de Québec proposa un pont d'or aux Bérus pour qu'ils viennent venir leur faire un dernier salut à toi. Pas super chaud à l'idée de participer à un festival aussi énorme et de devoir traverser l'Atlantique avec tout leur barta, le groupe se dit qu'en demandant des trucs complètement pétés, le festival va faire marche arrière en révisant sa position. Ils demandèrent donc avoir à disposition 15 jours à l'avance, une cabane au fond des bois canadiens avec cuistots à disposition et ours mal léchés aux alentours pour pouvoir répéter le spectacle. Qu'aucune publicité ne soit visible sur l'ensemble du festival pendant la prestation du groupe. Pas de McDo, pas de Burger King et consorts. Et enfin, débaptiser le festival pour le renommer au nom réel du site sur lequel ils étaient implantés, les Plaines d'Abraham.
Côté Beru, l'affaire était pliée. Jamais personne n'allait accepter des conditions aussi extravagantes. Mais c'était sans compter sur la détermination des organisateurs québécois qui acceptèrent sans broncher toutes les conditions. Bien conscient qu'ils ne pouvaient plus faire marche arrière, les Berus s'envolèrent vers Québec et remontés comme des coucous suisses, livreront devant près de 65 000 fous furieux couverts de boue un des meilleurs concerts de leur carrière, ce qui n'est pas peu dire. Les héros du peuple sont décidément éternels, mais aujourd'hui, que reste-t-il de nos Berus? Au niveau de l'actualité, il y a eu cette exposition à la Bibliothèque Nationale Française des archives du groupe. L'exposition était gratuite et connue un franc succès. Le hic, c'était que Laurent n'était pas d'accord avec la démarche d'institutionnalisation de l'histoire du groupe, ce qui n'a pas empêché François et Masto de le faire quand même, avec inauguration en grande pompe, interview et discours à la clé. Vous avez certainement entendu parler de Joe Corr, fils du manager des Sex Pistols, et de la créatrice Vivienne Westwood, qui a mis le feu ce week-end à des archives des Sex Pistols pour dénoncer la récupération du mouvement. Ça a quand même de la gueule, non? D'un côté, je comprends que des universitaires veulent documenter la culture punk et alternative, mais d'un autre, je trouve que la démarche de Joe Corr est totalement raccord avec la radicalité originelle du mouvement. Le punk, comme le black metal, aurait dû être des comètes dans le ciel de la musique moderne, des éclairs lumineux extrêmement forts, mais surtout pas destinés à briller longtemps. La déliquescence du punk rockcore a donné naissance à des groupes épouvantables. Pas vraiment mieux du côté des médias spécialisés qui, pour certains, cherchent encore à ressusciter une époque qui est morte depuis longtemps. Les temps ont tellement changé depuis le temps où des gars et des filles se faisaient défoncer juste parce qu'ils affichaient le look de leurs idées politiques. Maintenant, les problématiques sont tout autres. Et le punk, en tant que genre musical, ne représente plus qu'une niche de la musique électrique. Son côté provocateur s'étant bel et bien envolé ailleurs. Plus du côté de la musique électronique ou industrielle. NTM avait demandé à Berruyer Noir l'autorisation de reprendre Porcherie. Mais sans trop que les Berus ne sachent pourquoi, ils ne le firent finalement pas. Laurent a longtemps cru que le hip-hop prenait la relève de la sédition de la scène alternative, mais à force de vouloir être calife à la place du calife, une bonne partie du rap actuel a perdu de vue ses objectifs initiaux. Contrairement à ce que certains disent, ce n'a pas vraiment fait du bien au hip-hop quand le rap est devenu la musique la plus écoutée au monde. Le rap mainstream assumant pleinement la politique du chiffre, où seule la caillasse compte, et où des nuées de survêtements en polyester dansent en cadence sur les mêmes beats et avec les mêmes Nike Air aux pieds. Là aussi, il faut creuser un peu pour trouver des artistes qui bousculent un peu les codes et ne disent pas forcément au public ce qu'il a envie d'entendre. Un des rares artistes français sur lesquels j'ai repéré un tatouage d'Iberurier Noir, c'est Seth Gueco, le barlou du 9-4 qui balance des patates de forain. C'est un peu maigre, non? Je ne revenais d'ailleurs pas qu'aucun youtubeur ne se soit penché avant moi sur l'histoire des Berus. Pourtant, que l'on aime ou pas, c'est le parcours extraordinaire d'un groupe bien de chez nous, connu à l'étranger et qui, quoi qu'on en dise, est resté droit dans ses bottes, et ce jusqu'au bout. D'ailleurs, salut à toi le breton, l'alsacien, le basque, le ch'ti, l'antillais, le landais, le lorrain, le corse et le québécois. J'en passe et des meilleurs. Je suis sûr que vous avez dans vos bleds respectifs des histoires extraordinaires sur vos scènes locales. Des fanzines, des associations qui se sont bougé le cul à une époque pour que la musique des groupes comme les Berus puisse se faire entendre. J'ai personnellement grandi à Carmaux dans le Tarn et grâce à des associations comme Transparence et Rocktime, des mecs comme Michel Bessette, le Winter et le Summer Rock Festival, il y a eu les garçons bouchés, OTH, les Shérifs, les Gugoriac, Noir Désir, Scapé, les Frères Zappa, Fishbones, Trenponel Paul et les Wellers, et tant d'autres grands groupes qui sont venus jouer dans cette petite ville minière de 11 000 habitants. J'ai même vu Muse, à l'époque du premier album, dans des conditions absolument impensables de nos jours. Et il y a eu les Berus, qui sont aussi venus jouer, même si à l'époque j'étais trop jeune pour aller les voir. Pourtant, la première fois que j'ai écouté les Berruriers Noirs, j'étais en CME1, ce qui est un petit peu tôt pour écouter les Bûcherons, où il tua son petit frère. Je n'ai compris plus tard que ce n'était pas un hasard s'il y avait tant de gamins qui écoutaient du punk à Carmaux, petite ville minière qui, dans son passé, avait été le berceau de luttes violentes pour gagner ses acquis. Le punk a bien pris dans les petites villes ouvrières, où la musique représentait une alternative à l'ennui et aux activités classiques locales, un vent de rébellion et de liberté. Et si aujourd'hui les paroles n'ont hélas pas pris une ride, je remercie Berruriers Noirs pour m'avoir convaincu qu'il fallait garder l'esprit critique et en alerte, car si on ne prend pas notre destin en main, d'autres le feront à notre place. Je veux réveiller le punk qui est en moi, faire péter le stupide, stupide punk, punk. Je veux réveiller le punk qui est en moi, faire péter le queue, punk, pec, punk, fais péter le punk. Fais péter le punk. Fais péter le punk. Fais péter le punk. Fais péter le punk.